Nous, on a deux espèces bois de fleurs jaunes de la Réunion, nous appelons les bois de fleurs jaunes, naine, les carrément endémiques. Ben, on sert ça parce que pour lutte contre l'anémie. C'est une petite plante, quand on boit son tisane, les donne à ou l'élan, lui, les tonique, lui redonne à ou de la vigueur. Si vous les mavous, il revient en forme. Ouais. Alors, tu fais la tisane fleur jaune, normalement, pour les mamans qui donnent de lait aux petits-enfants. Pour mon petit-enfant chétif, tu m'en les malingues, il ne vient pas. D'aller une petite tisane, tu bois de fleur jaune de temps en temps. Son corps, il reprend, l'appétit revient, et le petit mamma, il redémarre. Ben, pour faire la tisane, on prend le flair, ouais, le petit flair, la finit sec comme ça là. Ou prend une bonne ponguée, ou peut mettre une petite branche avec, et vous fait bouillir, vous fait décoction. Vous laisse bien bouillir, et après c'est là où boire. Mais pas rien que ça. C'est bon de grand monde longtemps. La découvre d'autres choses dans le bois fleur jaune. Ou à la maladie appelle les rizipelles. Les rizipelles, ils gagnent gros pieds, gros jambes. Dessus, on en a des œdèmes, on en a des plaques rouges, ils sautent, et autour de plaques rouges, on en a comme un petit relief. Eh bien, il prend racine, bois de fleurs jaunes, il fait bouillir l'huile mélangée avec zambaville, eh bien, le bouc, il boit un peu ça pour nettoyer le sang, pour tirer les impuretés dans son sang, et il fait le bain avec le reste. Par contre, il en a une petite précaution à prendre. Et ça, m'y tient à dire. Ou avant une jeune maman comme elle a longtemps, tu ne connais pas ça, qui prend pilule contraceptive. Si vous prenez pilule contraceptive, ne bois pas ce tisane-là. Ce tisane-là, c'est un 1000 PHI, il va annuler l'effet de la pilule contraceptive. Ou boire ça, ou les presque s'y attrape un bébé. Ouais. Donc, c'est une petite précaution qu'il faut connaître.